La France est au bord du chaos. Ce n'est pas nouveau. La dette colossale est là depuis longtemps. Les catastrophes économiques et mauvais choix se succèdent depuis la pandémie, donc depuis 4 ans. Et là, on veut faire porter le chapeau à la dissolution de l'Assemblée nationale, qui est certes la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais les résultats des élections ne changeront rien si nous restons pieds et point lié à l'Union européenne. Je souhaite partager avec toi l'analyse de Marc Toiti sur cet événement. Économiste de renom et entrepreneur, Marc Toiti ose dire haut et fort ce que beaucoup d'autres taisent tout comme nous. Donc si ça t'intéresse, regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph, je gère le site 100% indépendant qui s'appelle comparateurbanque.com et on est tellement indépendant qu'on ose dire ce que beaucoup d'autres taisent. Donc, avec mon équipe, on est là pour comparer, analyser et te donner les meilleures options pour gérer ton argent, ton épargne et investir autrement. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour ne rien rater. On va ressortir les petites balles anti-stress, je crois qu'on va en avoir besoin car j'ai regardé récemment les dernières vidéos de Marc Toiti à propos justement de ce chaos que nous traversons et je voulais justement partager avec toi ces dernières analyses qui sont hyper intéressantes et qui te donnent en plus un petit peu de fraîcheur puisqu'elles te permettent de voir un petit peu le bout du tunnel potentiellement. Donc on va parler de catastrophe politique, économique, financière inédite. Marc Toiti, qui a plus de 30 ans de métier, s'inquiète pour notre avenir. Et ses craintes sont les suivantes. Il y a tout d'abord une grave crise économique. Donc en effet, l'économie française est déjà quasiment en récession. Alors que les entreprises sont en difficulté, le taux de chômage ne cesse d'augmenter, ce qui entraîne une hausse de la pauvreté et des inégalités. Il y a aussi une inflation élevée avec des possibilités de relance économique qui vont de plus en plus se compliqué. Pourtant, je sais pas pourquoi, mais l'INSEE dans tout ça dit que l'inflation, ça va plutôt bien et que ça repart vers le bas, n'est-ce pas? Ensuite, il y a une augmentation des taux d'intérêt qui vont aggraver la dette publique en la rendant plus coûteuse. Il y a aussi la crise politique et face à une incertitude politique, les risques de nouvelles élections et de démission du président sont selon lui élevés. D'ailleurs, savais-tu qu'en 1924, il y a 100 ans, la France avait eu également les JO à Paris et qu'en juin 1924, l'Assemblée nationale avait été dissoute par le président Alexandre Millerand et qui avait donc par la suite démissionné le 11 juin 1924. Donc c'était la petite parenthèse historique. On continue donc avec les craintes de Marc Toiti et des craintes de déficit public élevé puisqu'ils atteignent des niveaux historique, les marges de manœuvre budgétaires deviennent vraiment très très limitées. Certains parlent d'une crise grecque puissance 10. Ensuite, ils redoutent également la fuite des investisseurs. La situation économique et politique risque de repousser les investisseurs et les entraîner vers un exode fiscal. Ensuite, il y a aussi l'effondrement de la bourse parisienne. Puisque pendant ce temps, on a les bourses américaines qui battent des records historiques et celle de la France donc qui s'effondre comme il est quand même assez rare de le voir. Il y a aussi des risques sociétaux, la crise politique augmente les incertitudes qui pourraient provoquer des tensions sociales supplémentaires et des émeutes. Bref, le tableau est plutôt noir et stressant. Pour l'économiste, la situation est extrêmement compliqué et c'est le résultat de mauvais choix économiques et politiques du président Macron. Les Français vont devoir payer le prix fort pendant quelques mois, voire quelques années à venir. Pour se protéger tout ça, selon lui, donc il y a différentes actions que nous pouvons mettre en place et là, ça va te permettre de déstresser un petit peu. Pour ton épargne, j'en parle assez souvent en ce moment, donc il y a la possibilité d'acheter Bitcoin ou d'acheter de l'or. C'est une bonne idée dans tous les cas pour les deux. Pour ce qui est de l'or, je t'en ai parlé il y a quelques temps. Sache que par exemple, l'acheter sous la forme d'ETF est bien plus simple. Donc, tu peux le faire aussi bien via Freedom24 ou si tu veux, tu peux aussi utiliser Bitpanda qui offre actuellement d'ailleurs 50 € si tu veux les rejoindre, mais avant fin juin, donc il faut faire très vite. Tu as les deux liens dans le descriptif sous cette vidéo. Tu pourras aussi investir hors de France, en francs suisses ou dollars américains. Sur ce point, tu peux par exemple placer ton argent sur le compte rémunéré par Freedom24. Je t'en ai parlé,
t'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Le compte à terme te rémunère jusqu'à 8,78% sous certaines conditions. Dans tous les cas, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo si tu veux en savoir plus. Tu as également aussi Revolut qui a lancé son compte flexible qui te rémunère en dollars et à des taux attractifs. Pour Revolut également, tu as le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Ensuite, il dit qu'il faut rester très prudent sur les marchés financiers français. N'investis surtout pas sur la dette publique en France et garde un petit peu d'argent liquide chez toi. Anticipe et pense aussi que tout ce qu'on peut te dire pendant ces élections à propos justement des impôts qui pourraient baisser, eh bien, dis-toi que ça risque plutôt d'augmenter, d'autant plus qu'il y a aussi une forte chance pour que la taxation de ton épargne augmente. Une chose qu'il a oubliée selon moi, et c'est ma spécialité, c'est la multibancarisation, donc le fait d'avoir plusieurs comptes bancaires, je t'en parle très souvent. Je te mets un lien dans le descriptif sous cette vidéo si tu veux pour t'expliquer ce qu'est la multibancarisation et ses différents avantages. Ça sécurise ton argent en cas de faillite, en cas de plafond dépassé, en cas de compte bloqué, mais ça te permet aussi de réduire tes frais bancaires, de trouver des solutions plus innovantes, plus rapides et de toucher une petite prime sympa. Donc regarde mon classement du jour pour savoir où aller, pour savoir dans quelle banque ouvrir ton nouveau compte. C'est la synthèse des banques au meilleur rapport qualité-prix avec la meilleure prime du moment. N'hésite pas si tu as des questions. Ensuite, Marc Toiti se permet de donner quelques idées à nos politiques, préférés ou pas, mais bref, à nos politiques pour sauver la France. Et dans les propositions émises, on est loin de tout ce qui est présenté actuellement. Bref, tu vas voir et dis-moi ce que t'en penses en commentaire ci-dessous. Donc, par exemple, il va proposer des mesures à appliquer d'urgence, comme baisser des impôts pour redonner du pouvoir d'achat, comme réduire les dépenses publiques, réduire le coût du travail pour les entreprises qui sont prises à la gorge et qui n'en peuvent plus, faciliter le marché du travail en supprimant les 35 heures, en facilitant le code du travail, en facilitant les impôts qui sont devenus vraiment imbuvables. Ainsi, l'innovation et la compétitivité sera relancée. Il parle aussi de faciliter le financement aussi bien des particuliers que des entreprises, car aujourd'hui, les banques ne jouent plus le jeu. Elles ne prêtent riche, développer la culture économique et le goût de l'entrepreneuriat plutôt que de pousser les Français à attendre telle ou telle aide pour survivre en tant qu'esclave de la société. Bref, dis-moi ce que t'en penses. Pour moi, c'est clair et limpide. Marc Toiti a de nouveau raison et sincèrement, mais quel dommage que la politique ne soit gérée que par des hommes qui apprennent la vie sur des bancs d'école plutôt que de vrais entrepreneurs qui sont dans la vie réelle. Allez, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'aura aidé et qu'elle t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la situation du moment. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dessous. Et pense aussi bien à utiliser mes liens qui sont soit dans le descriptif, soit sur mon Linktree. On se retrouve très bientôt sur le site comparatoirement.com, mais aussi sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et Discord, où tu pourras télécharger tes e-books gratuits qui te permettront d'apprendre à mieux épargner et mieux gérer ton argent. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.